fila maa kɛmɛ o maa kɛmɛ ko maa saba dɔrɔn de bɛ baara sɔrɔ a tɔ bi kɔnɔntɔn ni wolonwula n'u tilalen bɛ sida o tɛ baara sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn n'i den kalanna mali kɔnɔ k'a tɛ baara sɔrɔ o la an tɛ se k'an sigi bilen ka jamana ye k'a fɔ ko maa dɔw bɛ ka an ka hakɛ buruja n'i ye terorisme ye mali kɔnɔ yan e kɔni b'a kɛ ka terorisme siye mali kɔnɔ ko siye san bi wolonwula san bi seegin denmisɛn dɔw de bɛ ta ka taa bɔmu d'u ma u bɛ ka taa marifa d'u ma k'u k'a ci n'i ye ɲininkali kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ mun de b'a to ni denmisɛn ninnu bɛ ka kɛ sabu dan tɛ jamana na an bɛ ɲɔgɔn musalaya ka ɲɔgɔn nɛgɛ de kuma bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a tɛ k'a faso ye f'an ka sɔn ni tiɲɛ ye ɲɔgɔn nɛgɛ on peut pas aimer son pays quand on a faim on peut pas croire à son pays dans l'injustice nka n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ala ka armée malienne kɛlɛ min bɛ yen kɛlɛ min b'a ka armée kɔnɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ fugariya tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ yuruguyurugu de ɲɔ ɲɛlen bɛ ka taa kɛ hakɛ min kan ka di maramafɛn min kan ka san hali esansi min kan ka san k'a di sɔrɔsiw ma ka taa kɛlɛ kɛ dɔw bɛ yen olu b'o togo ndara kelen k'o suɲɛ u bɛ ka ye wuli jɔ bamakɔ de yalima an b'an sigi ten ka jamana tiɲɛ yalima an b'an mago ten ka kɛ ko fɛn min b'a jamana kɔnɔ anw ɲɛ b'a la an b'an mago o ne bɛ kuma in de fɔ dɔrɔn mali problème fɔlɔ a daminɛna mali kuma kalanni na ni kuma in fɔ fo ka taa se ni maa kalanniw kun jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an tɛ jɔ sabu maa n'i kalanna e min bɛ faamuyali kɛ e ka kan ka ɲɛfɔli kɛ tɔw ye i ma kɛ mɔgɔ wa aw journalistes aw bɛ foli bila aw cɛkɔrɔba de bɛ bonya sabu aw de bɛ kunnafoni kunnafoni ko dɛ ko kun n'a siri la. Aw de b'a lafɔniya o kɔrɔ de ko an tɛ fɛn min dɔn n'o sirilen dalen b'an kun aw de b'o fɔniya k'o di anw ma kunnafoni dibaga ye aw ye aw jɔyɔrɔba de bɛ kun na a ye ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye a ye ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n bɛ segin a kan tuguni anw ka kilasi premier o bɛ nin sali kɔnɔ a journaliste ne de ka premier kun n'i ye suyɛli bɔ mali kɔnɔ i bɛ journaliste caman ni journaliste la parce que u tɛ fɛ ka fugari yɛrɛ k'u ka so. O ye jurunalisiya kɛ mɛ n'i ye suyɛli bɔ mali kɔnɔ i bɛ taa zonbalaba minnu sigilen sɔrɔ u ka bureau kɔnɔ i bɛ taa jurunalisiw de bilasi don mali jurunalisi dɔw bɛ yen olu t'u bilasi don a kalan b'u la a dɔnniya b'u la a se b'u ye nka fo toro jamana kɔnɔ ni e ma kɛ k'e soma dɔ bɛ nin kilasiba in na k'e ma kɛ k'a fɔ k'e tɔntɔn dɔ bɛ yen e taati dɔ bɛ yen nɔ e tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ka i ka hakɛ de bɛ ntaraki k'o minɛ la i bɛ obilize ka taa fɛn wɛrɛ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko t'i ka baara ye i t'o kɛ walasa ka t'o la de f'an ka nin tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye journaliste an bɛ wele bila aw ma nin baara in ye aw ka baara ye sabula aw jɔyɔrɔba de bɛ suɲɛli kɛlɛ la mali kɔnɔ sabula n'a ye ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye maliyɛnw b'a fɔ maliyɛnw bɛ aw de lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan an lamɛnnen don ka tɛmɛ président kan an lamɛnnen don ka tɛmɛ jeliw kan an lamɛnnen don ka tɛmɛ tɔnikɛlaw kan an lamɛnnen don ni bɛɛ ye an mago bɛ aw la an b'a ɲini aw fɛ aw k'an dɛmɛ nin kɛlɛ in na ka bɔ an jigi dɔ ye. O la patronat malien a ye suyɛli kɛlɛ a y'o k'a taabolo dɔ ye o ye suyɛli kɛlɛ min ni patronat y'o k'a taabolo dɔ ye an farala o kan walasa an bɛ se ka kɛ ka suyɛli kɛ. O la yanni n kana ɲɛfɔli kɛ an bɛ ka baara min kɛ an bɛna baara min kɛ don nataw la olu bilalen kɔ ka tɛmɛ journalistes kan. Ka foli bila mali junu ye ka foli bila patrona mɔgɔ bɛɛ commerçant jagokɛlaw ani kɛ yɛrɛ ye baarakɛlaw minnu sen sera yan ani minnu ka se yan ka foli bila bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana la. N'i ye rapport ta Frédéric Ebert ka rapport laban min dira février tɛmɛnen o rapport b'a jira k'a fɔ entreprise kɛmɛ o kɛmɛ bi naani ani saba olu jagoyalen don mali kɔnɔ yan ka suyɛli kɛ sɛnɛkɛ suyɛli bɛ kɛ cogo di u b'u jagoya ka fɛn dɔ di surɔfɛn o ko n ma ko bonnefɛn ka surɔfɛn di bari sabula n'u ma di u mago bɛ fɛn dɔ t'a sɔrɔ administration sen b'o la impo mɔgɔw sen b'o la o n'a douane sen b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman u b'i jagoya f'i ka di i ma di
de colo qui a mis ma vie là. Au rapport qui est au bail là, 2025, pour t'assurer, on va voir que mon mari entreprise qui est qui me fiche et dit ça va. On veut tout le monde. Quel est le braqueur, on va dire que mon qui est me fiche et dit ça va, on veut tout le monde. Ça qui est là pour prendre les casques. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez
Essentiellement sur trois points. Il a défini la corruption, ce fléau qui gangrène véritablement notre société. Il a parlé des conséquences, des causes d'abord de la corruption. Il a parlé aussi des conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a le manque d'emploi pour les jeunes. Il y a l'émigration clandestine pour ces jeunes qui vont souvent se noyer dans la Méditerranée. Il y a ce qu'on appelle le non-accès pour les citoyens aux services sociaux de base. Donc, il a parlé de beaucoup de conséquences, en tout cas de la corruption. Il a également fustigé le comportement des différents régimes de nos dirigeants, et notamment les deux précédents régimes qui se sont succédés, à savoir le régime d'ATT, et qui a l'habitude de dire qu'il ne va pas humilier les chefs de famille. Et il a mis un doigt accusateur aussi sur l'actuel régime qui a consacré l'année 2014 comme étant l'année de lutte contre la corruption, qui malheureusement a été l'année de tous les scandales au Mali. Donc il a fini par lancer un appel, un vibrant appel aux journalistes, à vous journalistes, à nous journalistes, pour que nous puissions nous joindre, en tout cas à ce vaste mouvement, qui est un mouvement citoyen, pour lutter efficacement contre la corruption. Parce que sans cela, même nous savons dans quelles conditions nous travaillons, n'est-ce pas? Donc, il est temps pour nous, en tout cas, de faire de ce combat-là notre combat. Ce n'est pas un combat de Clément. Il a parlé des différentes intimidations dont il est l'objet aujourd'hui, mais il a en tout cas dit clairement que ce combat n'est pas le combat de Clément seul, c'est le combat du peuple malien. Et que si le peuple veut, le peuple peut. Donc, voici ramassé en tout cas l'intervention de Clément. Donc, très rapidement, nous allons ouvrir une liste pour permettre en tout cas aux journalistes de poser quelques questions. Alors, ce serait une première liste de 10 personnes. Et chacun aura 2 minutes pour justement poser des questions. Chacun 2 minutes. Donc on va.
Ok, donc patientez-vous un peu, je crois qu'il va essayer de parler brièvement en français. En tout cas, ramassez ce qu'il a dit en bambara, en français pour nos invités qui ne comprennent vraiment pas bambara. Oui, Clément, vous avez la parole. Vous m'excusez parce que dans la salle, il y a certains qui ne parlent pas bambara. Pour le respect envers ces gens, je vais devoir m'exprimer rapidement en français. Je disais en substance que depuis des années, la production est connue au Mali comme étant l'un des facteurs de notre fracture sociale, économique et politique. Si bien que la rupture de confiance entre les populations maliennes et les dirigeants ruraux sur les facteurs de détournement de biens sociaux, de népotisme, de brillantisme, de maoui, la tabagie, l'injustice, l'inégalité sociale. En plus de ces constats, depuis plusieurs mois, les organisations de la société civile du Mali reçoivent régulièrement des rapports et alertes une aggravation exponentielle des faits de corruption. Différentes organisations concordent dans le même sens, telles que la Fondation des Unités Vertes, le réseau des investisseurs allemands, l'Union européenne, la Banque mondiale, Agence de Transparency, Afrobaromètre, le Bureau du vérificateur général du Mali, le contrôle des États. Globalement, les rapports laissent entrevoir que 83% des entreprises privées maliennes disparaîtront d'ici 2025 à cause de la corruption. Alors que 43% sont obligés aujourd'hui de subir la corruption pour accéder aux services de base. La source est de Afrobaromètre fédéré 2019. Pire, ces rapports désignent la corruption et ses variantes comme étant à l'origine des différents problèmes du Mali, notamment la pauvreté, l'immigration clandestine de masse, les conflits intercommunautaires, la misère, la famine, le chômage, les délinquances, le manque d'infrastructures routières, de santé, d'eau, d'électricité et de l'éducation. Face à cette urgence, et pour sauver le Mali, la plateforme contre la corruption, PCC, s'engage résolument dans la lutte contre la corruption dans toutes ses formes au Mali. La plateforme contre le chômage et la corruption mènera ses combats en synergie avec toutes les forces vives de la nation désireuses de contribuer, de constituer un rempart face au phénomène. Le secteur privé malien, qui lors de sa dernière assemblée générale a décidé de faire sienne le combat engagé par le président du CNPM, la personne de Maurice Nsibulbadi, est la bienvenue sur la liste des mobilisés du Mali contre la corruption. Par conséquent, la PCC, plateforme, décide d'engager des actions suivantes. La déclaration des biens par tous les fonctionnaires prévus par la loi au Mali. Il s'agit d'une exigence légale faisant partie des prérogatives de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. En d'autres termes, nous exigeons l'application suivante, la déclaration de biens immédiatement par tous les fonctionnaires maliens prévus par la loi. Nous demandons à l'OCLEI d'appliquer cette loi sans délai. Le départ immédiat de toutes les personnes ayant dépassé l'âge de la retraite fixée au Mali à 62 ans, exerçant dans une structure d'État sans mandat au suffrage universel. Nous considérons qu'il y a plus de 70% des jeunes sans emploi, alors que nos administrations et nos institutions sont remplies et parfois même gérées par des gens ayant dépassé l'âge de la retraite. Ce paradoxe inégalitaire est à lever pour laisser la place aux jeunes compétents pour un Mali à venir. Nous demandons à ce niveau le départ immédiat
que toute personne exerçant dans les institutions ou dans l'administration malienne ayant dépassé l'âge de 62 ans, qui est l'âge de la retraite au Mali, qu'il soit remplacé par des jeunes compétents. Parce qu'au Mali, 68% des jeunes au Mali chôment, alors qu'il y a des vieux qui ont 70 ans, 80 ans qui gèrent encore les affaires de l'État. C'est l'infini. Nous exigeons d'être des partis. Nous refusons d'augmenter l'âge de la retraite à plus de 62 ans. Il ne peut y avoir des milliers de jeunes sans emploi stable au Mali et que l'on demande d'augmenter l'âge de la retraite pour garder les anciens en fonction. Nous refusons désormais qu'on augmente l'âge de la retraite dans un pays où plus de 70% des jeunes ne travaillent pas. Donner l'emploi aux jeunes, arrêtons de garder les anciens après la retraite dans la fonction publique ou dans les institutions. Il y a assez de jeunes compétents au Mali qui peuvent faire le même travail que ces anciens. Et les discours disant qu'on n'a pas d'expérience, personne n'aura de l'expérience, à moins qu'au Mali, l'expérience dans le chômage. Nous voulons l'espérance dans le travail et non l'espérance dans le chômage. Nous portons également les projets suivants. La création d'une base de données commune de tous les organismes de lutte contre la corruption et ses assimilements. C'est-à-dire l'OPI, le contrôle de l'État, le bureau du vérificateur général et tous les organismes qui se trouvent au Mali, qui travaillent contre la corruption et qui travaillent contre l'enrichissement illicite, le détournement des biens, le blanchiment, qu'ils soient fixés tous ces organismes à une même base de données pour partager les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire et partager les données qui sont récoltées pour que la lutte contre la corruption soit une réalité et non un discours. Nous demandons la réforme judiciaire en nous basant sur l'informatisation de tous les systèmes judiciaires et d'élection des procureurs de la République par voie de vote des citoyens pour plus d'autonomie, de transparence et défense des intérêts des citoyens. Il s'agit de mettre davantage les citoyens au cœur des enjeux juridiques. En d'autres termes, nous voulons désormais la digitalisation de tout notre système judiciaire, depuis la police, la gendarmerie, jusqu'au rendu de verdict. C'est que désormais, lorsqu'un Malien se présente parce que les victimes de quoi que ce soit, que son procès verbal, sa peine soit informatisée et non falsifiable jusqu'au rendu de justice et que la personne puisse avoir accès au rendu de justice et contester immédiatement si le juge n'a pas rendu le jugement tel qu'il se doit. Et nous voulons désormais que les procureurs de la République, pour qu'ils soient plus libres, pour qu'ils soient plus autonomes vis-à-vis du pouvoir exécutif, vis-à-vis des politiques, que désormais les citoyens maliens votent pour faire élire son procureur de la République dans sa commune. Il s'agit désormais que le procureur de la République soit complètement autonome pour que les citoyens soient au cœur des enjeux judiciaires. La réforme du tribunal du commerce et du pôle économique du Mali pour en faire des structures efficaces et pragmatiques. Nous demandons cette réforme immédiate du tribunal de commerce et du pôle économique pour désormais qu'il y ait plus d'efficacité, pour désormais qu'il y ait plus de pragmatisme dans l'exercice des missions dans ces instances. Nous exigeons l'ancrage institutionnel du bureau du vérificateur général qui désormais doit être rattaché à la société civile. Tant que nos institutions, tant que nos organismes de lutte contre la corruption sont rattachés au pouvoir politique, elles ne seront jamais libres. Les rapports sont toujours faussés ou les rapports ne sont pas exécutés pour suivre. Nous demandons désormais que cet ancrage institutionnel du bureau du vérificateur général permettant de rattacher son bureau à la société civile malienne pour plus d'autonomie et que le rapport puisse avoir un effet de poursuite immédiat après sa publication. Nous demandons, et nous allons le faire, c'est l'une des prérogatives de notre plateforme, la mise en place d'un RVC, des réseaux de veille citoyenne que nous allons mettre en place. Ce réseau de veille citoyenne qui sera installé un peu partout au Mali, sur l'ensemble du territoire malien et à l'étranger, sera doté de moyens efficaces
permettant de collecter les données, collecter les informations, de vérifier et de contrôler, de dénoncer, voire de porter des plaintes collectives contre des faits avérés, je dis bien des faits avérés de corruption et assimilation. Désormais, nous allons constituer ces grands réseaux à travers le Mali. Ces réseaux de veille citoyenne partout au Mali, pour que lorsque vous découvrez un fait de corruption, lorsque vous doutez d'un fait de corruption, que nous récoltons les informations, ces réseaux vont contrôler, vont vérifier, vont se rendre compte de la vérité du fait. Quand le fait est avéré de corruption, ces réseaux vont constituer des plaintes collectives. Nous avons aujourd'hui des avocats volontaires, des journalistes, même des policiers, des juges aussi, des magistrats qui nous ont apporté leurs contributions et qui sont prêts à collaborer avec nous. Des procureurs généraux qui sont prêts à collaborer pour que désormais, lorsqu'il y a un fait de corruption au Mali, détournement de biens, enrichissement illicite, blanchiment, que nous soyons alertés. Lorsque nous sommes alertés avec des prévalences, nous exigeons l'application de la loi dans toute son impunité. Il faut mettre fin au vol au Mali par l'impunité. C'est nous. La PCC, la plateforme, lance à cet effet un appel à toutes les organisations de la société civile, associations, ONG, syndicats, à tous les leaders d'opinion. Nous lançons l'appel à la presse malienne, aux organisations du secteur privé pour une mobilisation générale des forces vives de la nation pour obtenir la mise en application de ces recommandations. Nous n'arriverons jamais sans vous. Nous sollicitons votre concours, que vous soyez avec vous, pour qu'on puisse avancer ensemble, pour changer enfin ces pays. La plateforme est ouverte à toute discussion, à tout échange, à toute rencontre, permettant d'améliorer et renforcer son plan d'action qui deviendra une œuvre collective. Ce combat restera concentré sur l'avènement des changements positifs au Mali de façon désintéressée via la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, l'injustice sous toutes ses formes. Je tiens à remercier chacun d'entre vous ici. Et je tiens à vous dire que chacun d'entre vous est désormais ambassadeur de ce combat pour la Mali d'avenir. Cette révolution de conscience est votre révolution. C'est la révolution de tous les Maliens. Vous êtes désormais l'ambassadeur pour véhiculer ce message, pour apporter la contribution et que ce soit un combat de masse et non un combat de population. Je vous remercie. Merci pour ce témoin. Par Bobby Kishanek. Certains vont se poser la question, mais celui qui se dit journaliste, quel est son nom et quel est son organe? Moi-même, je m'appelle Youssouf Sissoko, je suis le directeur de publication du journal Info 7. Merci, nous allons continuer. Alors, au lieu de 10 journalistes, nous allons prendre juste 5 journalistes. Donc, les gens vont donner leur nom. Thank you.